Bonsoir tout le monde, non pas c'est Yvenson Frank, c'est un plaisir avec vous pour présenter toute nouvelle journée, sans perdre du temps, mais plus gros point, nous allons développer pour vous. Mais grand titre journal là pour Assoya, première dame république là, Martine Moïse a visité dans la commune Cité Soleil, jeudi à avancement en travail nettoyage yo, l'été profité voyager sous conditions infrastructures l'école nationale Cité Soleil là. Comité pilotage état généraux sectoriel nation 1 organisé mercredi 16 mai à premier rassemblement état généraux yo dans ville Arcaillet. Activité ça te réuni représentant divers secteurs dans société là. Toute disposition déjà prend pour faciliter bon déroulement célébration 215e anniversaire drapeau à Arcaillet vendredi 18 mai à, d'après porte-parole présidence là Lucien Jura. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ak recteur Université l'État d'Haïti à Fritz Desommes sien jeudi 17 mai à, contrat plan État UEH Siati protocole entente ça viser renforcer et puis moderniser Université l'État. Jeudi 17 mai a marqué Journée mondiale télécommunication ak Société information nan occasion an, Conseil national télécommunication Conatel présenté yon conférence sous thème intelligence artificielle. Actualité à Pilon la caille 27 pays membres Union européenne yo réuni jodi a nan pays Bulgarie pour discuter sous accord 2015 qui pourrait ak nucléaire iranien. C'est point ça yo ak anpil lot nou bral développé pour vous, rete branché Naptonin. Bienvenue dans le développement journal là. Nous allons voir comment condition temps et à collaborateur nous, Wilner Polidor. Nous, 17 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble pour prévision météorologique. Là, nous sommes à la veille, fête du drapeau. Nous souhaitons avec tout le peuple haïtien une bonne fête de drapeau. On a voir comment la situation est sous bassin Caraïbes avec l'océan Atlantique. Là. Zone de haute pression, nous allons renforcer au niveau de l'Atlantique Nord. Et là, générer un alizé. Et là, nous parlons d'un alizé, c'est un vent d'est qui modéré à faute sous plusieurs départements pays aujourd'hui. Et situation ça par rapport avec zone de basse pression nous et zone de haute pression nous faible gradient de pression pour aller générer vraiment pour aller augmenter force vent sous pays dans ça nous pral gagner un temps sous pays d'Haïti qui ensoleillé en journée mais li pral venteux non seulement au cours de journée en soirée même au cours de nuit là parce que vent a très fort et vent ça a persisté non seulement pour aujourd'hui là pour demain, vendredi, pour samedi et dimanche. Cela veut dire que nous avons un bon week-end avec beau temps, soleil et puis vent cap venté sous pays d'Haïti. Et seulement, il y a quelques averses d'appui qui étaient possibles, mais c'est vraiment des averses isolées. Département concerné, c'est vraiment tout bloc sud qui, département de l'Ouest, nous prend Léogane, Grand Gouave, Petit Gouave, zone Carrefour, il y a capable de gagner quelques averses isolées. Mais sous reste pays, c'est vraiment du beau temps avec vent cap venté en journée, en soirée, au cours de nuit. Là. Pour capitale là, avec zone qui environne Lyon, capitale là, en bas, beau temps avec soleil, avec vent cap venté. Mais sauf que en soirée et au cours de nuit, il y a quelques possibilités pour au sud de Port-au-Prince, gagner quelques averses là, mais c'est vraiment isolé. Par rapport avec brise de mer cap monté et ensuite ou gagner réchauffement journée hein, sous mode la selle capable de gagner quelques averses mais c'est vraiment des averses isolées et en soirée au cours de nuit mais pour l'ensemble pour capitale avec zone qui environne c'est vraiment beau temps soleil avec vent cap soufflé non seulement pour jeudi à demain après demain jusqu'à dimanche hein. Nos températures nous qui montent jusqu'à 35 degrés il fait très chaud sous pays là. Et aussi, la nuit, on a descendu à 24 degrés et pendant la nuit, on a senti effet de chaleur parce que 24 degrés, c'est un peu haut par rapport à la normale. Pour la mer, elle a agité non seulement sous côte sud, mais côte nord, c'est un mec qui a agité à faute parce que zone de haute pression qui soit Atlantique noire, elle a vraiment renforcé vraiment vague sous côte nord pays d'Haïti. Pour ça, nous demandons des capitaines de précaution, surtout pour ne pas naviguer au large, parce que vraiment la mer est forte
au sous-côte nord pays d'Haïti et golfe de la Gonâve dans la mer qui peut agiter à agiter. Et pour page astronomique, jeudi à soir, elle a couché à 7h18 et la pleuvait demain matin à 6h14. Mesdames, Messieurs, merci pour filer tout avec attention. N'a pas croisé lundi pour une autre page météorologique. Bon week-end à chacun de vous. J'ai noté annoncé l'antitio, première dame République là, Martine Moïse, fayon vireron dans commune Cité Soleil, journée jeudi 17 mai. Objectif vireron ça, c'est garder avancement travail, nettoyage qu'a fait dans Cité A, et puis garder tout conditions infrastructures, l'école nationale Cité Soleil là. Reportage Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duverny. C'est une visite pour garder qui Jean travaille nettoyage avancé dans quelques zones en dans Cité Soleil. À approche saison la pluie qui compte faire gros dégâts dans commune nan. C'est occasion pour première dame nan Martine Moïse visiter dans un premier temps l'école nationale là côté timoun yo a recevoir éducation dans mauvais conditions. Député Pierre Lemaire qui t'a accompagné première dame nan environ ça dit population Cité Soleil là apprécie démarche là. Et son c'est un plus gros problème commune nan gen problème éducation. Si nous avons un paquet de monde qui va à l'école, et pense que visite première dame nan pour porter un plus pour nous pour permettre que l'école ça li rive construit. Et première dame nan li dans l'école là et la visite de l'école là, la visite avec Meyo. Pense que semaine qui vini a gen une visite et une délégation qui sorti en Espagne qui présent avec nous. Même pense que bravo pour visite là, et pense que visite ça il va symboliser un peu le bail pour commune là. Pense que première dame nan li remet cité a et pense que l'autre fois la vini encore pense que c'est une inauguration quelques gros projets qui gen. Tout de suite après, visite la talra poursuivre dans centre santé Marie-Louise Marilac qui gagne plusieurs écoles là-dedans. Dans centre santé ça, responsable surtout bail soin à femme enceinte qui touchée par virus sida. Nous ici à la dans école Louise de Marilac côté que nous venons garder centre là, son centre parce que nous connaît que première dame là dada c'est la petite enfance. Yo gon gros centre de santé là côté recevoir mesdames yo, l'œil enceinte, yo fait dépistage pour yo et parmi yo ça qui positif yo yo prend yo en charge donc ça a aidé que grand pile ti moun k'ap fait yo pas fait avec germ sida nan sang yo donc ça son bagage qui pour encourager et mais yo tout assuré que mesdames qui sous traitement pendant yo enceinte là même après au fin accoucher yo kembe traitement tout parce que même l'on pas passer ti moun nan maladie a pendant enceinte là mais pendant on fait allaitement ou ka passer maladie donc c'est toujours kembe médicament. Prend médicament à des heures précises côté docteur du coup prend yo comme ça petit tout à vivre en santé. Nous également t'aider cité a parce que moi tout monde yo en dans cité a tout encadré moi gagne TPTC qui bon beaucoup de main nous gagne CN qui aide nous en pile côté CN avec TPTC voye excavatrice yo voye moun nan zone nan tout mettre la main y a pendant 6 ou 6 connait privé là pour nous commencer préparer parce que ça nous toujours fait longtemps c'est tant de problèmes d'arriver pour nous résoudre mais couler faut nous penser à l'avance côté gros problème qui arrivé nous capable anticiper donc c'est un petit nettoyage qui besoin ressources là parce que c'est pour ça et comme ça caravane là c'est ressources qui sont place qu'on prend qu'on mette en branle pour faire quelque travail donc c'est un banon gros coup de main TPT c'est banon gros coup de main donc zone n'a regardé au fur et à mesure comment nous capable nettoyer comment nous capable désenclaver parce que problème en cité en pile mais faut nous commencer son côté. Première dame Martine Moïse promet pour tourner dans Cité Soleil avant longtemps pour assurer suivi travail nettoyage canal yo à Claude Demache qui en cours bon côté la présidence. L'autre nouvelle, comité pilotage états généraux sectoriel Nation 1, organisé mercredi 16 mai, premier rassemblement états généraux sectoriel Nation 1, dans ville Arcahaie. Activité ça qui réunit représentants divers secteurs dans société haïtienne Nantes et occasion pour différents acteurs mais tête ensemble pour décider soit avenir pays. John Herbie Casseus avec Avril Junior a présenté nos contre-indis. C'est dans la localité Saint-Arc, une zone dans la commune Akaye, comité pilotage état généraux sectoriel national organisé premier rassemblement ça. Activité ça qui réalisé 2 jours avant célébration fête drapeau 18 mai dans ville Akaye, doit être comme source motivation qui pour rappeler nous décision et engagement sans cette qui prend pour mettre pays à camper selon magistrat Akaye Marie Rose Mila Saint-Ville petit frère. Gros assise qui pas dans affaire polémique sous non ak moun ki prend décision lancer initiative là pas à faire un petit groupe moun état généraux sectoriel là doit yon occasion
pour mettre tout le monde sous même table sans passe pour qui. Nous devons fouiller le problème dans la racine pour nous connaître qui ça qui empêche le pays à développer. Et puis prendre route progrès depuis nous fin casser babouquette là. Dans l'esprit des ancêtres nous qui te fait congrès à Kayer, c'est pour nous voyer jeter toute l'idée vengeance politique. Pendant un compte ça, représentant différents secteurs dans la société haïtienne, nan, brasser l'idée sur le problème pays a fait face. Expliquer comment Haïti teye, qui j'en lié jeune jeudi, et puis proposer l'autre piste solution pour permettre de monter sur le développement. Si nous avons songé l'élection qui est passée, États-Unis, go avec Bush, go te gagne l'élection, mais il dit, les gars, pour le prendre des avec États-Unis, il dit que bon Dieu béni Amérique, Bush gagne l'élection. Voilà en Haïti, même là on a gagné l'élection, pas jamais gagné. Mais qui problème nous gagnons en Haïti qui mettait nous côté nous. Alors demandez pour monsieur, pour nous même tout, commencer à penser toute cicatrice pour nous penser. Dans l'État, tout le monde gagne un rôle. Il faut tout le monde jouer un rôle. Hiérarchie, il faut respecter. Tout le monde connaît, tout le monde n'a qui niveau est capable d'agir, n'a qui niveau est capable d'intervenir. Le problème qui s'allie, c'est un problème d'homme et de femme. Jean-Paul Sartre dit, ou c'est homme, ou c'est femme, lorsqu'on prend responsabilité, ou l'on assume responsabilité. À ce moment-là, on vient un monde qui est libre. Prend responsabilité, ou en fait tête. Comité pilotage États-Unis sectoriel national, là pour faciliter le dialogue dans la population. Les gains pour mission favoriser entente dans la société, selon le docteur Jean-Claude Desgrange. Un chita pour nous parler. C'est ça, mission et comité de pilotage. Là. Mais son comité qui est là pour faciliter le dialogue. Là. Dialogue, là, ce n'est pas moi, ce n'est pas le comité. Ce n'est pas nous, nous n'avons pas de secret, nous n'avons pas de miracle. C'est nous-mêmes, haïtiens, haïtiennes. Population qui vous dit, mais ça nous voulait, mais ça nous sortit, mais ça nous t'a rien qui fait. Comité pilotage États-Unis sectoriel national a organisé rassemblement dans tous 10 départements géographiques pays. Une façon pour organiser tout le monde sous problème avec décision qui doit prendre pour faciliter le développement Haïti. Il fait connaître, il a bien pour élaborer un document qui a bien la donne toute proposition qui sortit dans l'atelier de travail. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ak recteur Université l'État d'Haïti à Fritz Desormes si un jeudi 17 mai à contrat plan État UEH si un petit protocole entente ça entre pouvoir exécutif ak Université l'État visé renforcer et puis moderniser institution cérémonie si ati a réalisé en présence membre cabinet ministériel là parlementaire membre conseil université l'État membre commission nationale pour innovation ak insertion socio-professionnelle et puis conseiller président république là. Et on contredit Rachel Saint-Fort. Ba université l'état moyen pour fonctionner pour répondre à la mission dans société à tant qu'on fait formation, recherche et puis ba communauté à service, c'est principal objectif si a ti contrat plan état UEH entre exécutif là à université l'état. Selon recteur université l'état Fritz Desormes, protocole d'entente ça basé sur plan stratégique institution à travers orientation stratégique qui kembe yo, différents acteurs yo dwe travay pour rationaliser gouvernance université l'état ba l'infrastructure qui permettre li faire mission et puis créer un milieu accueillant motivant, renforcer engagement et qualification corps enseignant, renforcer adéquation entre offre formation et besoin développement société a, renforcer et puis développer recherche et service à offrir communauté a. Recteur Fritz Desormes expliquait dans ça qui gagne pour avec engagement de parti au prend à travers protocole ça université a répondre à engagement. Il y a des engagements précis sur lesquels le protocole met l'accent. Il prévoit notamment la mise à la disposition de l'UEH des ressources budgétaires suffisantes pour lui permettre d'atteindre les résultats inscrits dans le cadre du plan stratégique. Je citais l'accord lui-même. Il est même précisé que montant représentant 2 à 3% du budget national sera alloué à l'UEH pour son fonctionnement.
l'accès préférentiel de l'UEH au marché public dans les domaines de sa compétence et l'aménagement de partenariats institutionnels avec les services de l'État. Le renforcement du cadre normatif, réglementaire et législatif de l'UEH pour une meilleure gestion de ses personnels et une gouvernance académique, administrative et institutionnelle plus efficace. Dans l'occasion, dans l'intervention, le Premier ministre Jacques Lafontaine félicite différentes instances, tant que rectorat, primature, avec la présidence, qui travaillent ensemble pour rendre ce protocole ça possible. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler les responsables de l'Université de l'État pour prendre toutes dispositions nécessaires pour identifier et puis répondre aux besoins réels de l'Université pour permettre UEH et de relever les défis enseignement supérieur à faire face et puis accompagner l'État à collectivité dans le grand chantier qui lance. Le Premier ministre Jacques Lafontaine renouvelé l'engagement du gouvernement pour soutenir l'Université de l'État dans les efforts de modernisation. L'activité d'aujourd'hui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement supérieur haïtien. Nos institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques ou privées, connaissent depuis plus de plusieurs années un déficit chronique en termes de ressources humaines, financières et matérielles. Ce manquement affecte la qualité de la formation distribuée à nos étudiants. Le gouvernement que je dirige est bien conscient de ces problèmes. C'est pourquoi l'administration Moïse Lafontaine travaille pour que les établissements d'enseignement supérieur soient à la hauteur des enjeux du développement du pays. Car ce dont le pays a le plus que jamais besoin est un système d'enseignement supérieur fort et dynamique, susceptible d'assurer la formation de la jeunesse afin qu'elle puisse contribuer valablement et dignement au développement institutionnel, économique et social du pays. D'après le recteur Université de l'État, article 15 à 22 protocole là traité modalité mise en œuvre un comité suivi 9 membres dans un délai un mois. 3 absorti dans l'Université de l'État, 6 l'autre absorti dans différentes instances, tant que la présidence, la primature, ministère économie et finance, cérémonie siati contre un plan État UEH entre l'État et l'Université de l'État, et occasion pour honorer 12 lauréats parmi environ 150 qui sorti dans différentes promotions, diverses filières, différentes facultés, institutions dans l'Université de l'État. Ensemble, préparation pour célébration fête drapeau a continué dans cité drapeau pour accueillir délégation présidentielle là, autorité concernée yo, à toute population dans 215e anniversaire bicolore. Directeur général ministère intérieur ak collectivité territoriale la Fednel Monchéri ba explication sous préparatif cap fait yo tant coup construction estang, répétition parade avec défilé majorette pour réalisation fête là. Puis loin Fednel Monchéri qui était sous place pour observer planification et préparation 18 mai à Nessa, inviter toute population à participer dans la fête drapeau, dans l'amour, la paix et l'unité. Un extrait d'un micro Hertelou, Marie Dieudonne et Hervé Pierre. Je dis à là, nous pensons que il y a 3 jours depuis que monsieur a fait Stangio. Si monsieur Damien a fait répétition pour le défilé, donc il s'est expliqué présence là dans 4 planifications 18 mai en tant que ministre intérieur. Ensemble avec la mairie de la Cayenne, qui est une organisation qui est responsable pour planifier la festivité. Ça. Et ça a fait nous 100 ans depuis que nous avons fêté la fête de la Boa. 18 mai, ça, Jean-Thème Nandil, sont 18 mai de fête dans la paix, dans l'unité. Et ce n'est pas sans raison que l'État généraux sectoriel là, l'a lancé dans la commune de la Cayenne. Son signal que le président voyait bail tout le monde qui pensait que il a construit un pays dans l'anarchie, dans la crasse brisée, dans le ring. Le président dit non et dans la paix, dans la tête ensemble, dans Chita Youn et l'autre, pour une solution en deux pays. Donc nous voulons mettre ça clair à tout le monde, tout citoyen, tout le monde qui vit l'autre bord le coup en Haïti. 18 mai, ce n'est pas fête à Cayen que lié, ce n'est pas fête Port-au-Prince que lié, c'est une fête nationale qui concerne tout Haïtien parce que c'est drapeau ça qui t'a uni nous, qui t'a fait nos gourmets
pour indépendance nous, pour te retirer nous dans l'esclavage. Donc je veux dire là, nous en face Papa Nation qui se dessaline sous place là, qui garde nous là, et il témoin, image témoin de ça n'abdi là. Et dans ce sens ça nous dit que vive un bon 18 mai, vive la paix, vive la démocratie. Drapeau, c'est symbole unité, c'est sous thème ça, autorité dans l'État a célébré 215e anniversaire drapeau à Anessa. Selon porte-parole président Slan, Lucien Jura, toute disposition déjà prend, tout acte concerné déjà mobilisé pour faciliter bon déroulement cérémonie officielle yo dans Arcaye vendredi 18 mai. En suivant extrait d'un micro Rachel Saint-Fort à Henri Robert Chéry. Tout est décor implanté à l'Arcaye, que ce soit au niveau podium qui pourra accueillir la cérémonie officielle, que ce soit dans l'espace qui est réservé pour réception, que ce soit dans le site historique qui a même fait l'objet de visite par le chef de l'État et la délégation officielle et au niveau des autorités locales. Donc tout est en place, côté n'a parlé là, pour que nous gagnions non seulement en 215e anniversaire du drapeau, tout ce qu'il y a de plus grandiose, mais n'a profité de rappeler que en dans 215e anniversaire ça, gagne tout commémoration, centenaire, célébration du drapeau à l'Arcaye, car c'était en 1918 que c'était une première célébration de la fête du drapeau à l'Arcaye, ce qui ramène donc le centenaire de la célébration du drapeau à l'Arcaye, et journée aujourd'hui, tout bagaille fait prêt pour que demain, si Dieu le veut, demain, vendredi 18 mai, nous gagnons une très belle cérémonie, tout ce qu'il y a de plus protocolaire à l'Arcaye. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille parasol organisé jeudi 17 mai à l'occasion fête drapeau à l'université en conférence débat sur intégration moun handicapé ak famyo dans société a et puis encourager acte politique yo mettez ensemble pour réaliser état généraux sectoriel là. Président parasol la Yvon Bonhomme souhaiter chaque haïtien profiter fête drapeau a pour inyo youn ak lot. Plus explication dans micro Midrey Milias ak Rémi Godjit. Bon, nous-mêmes en tant que parti politique et parasol et pendant dernier mois yo, donc les assumer responsabilité là dans le cadre de travail et en faveur avec la population. Hein. Donc, laissez pas conférence de presse. Donc, je dis à la presse de CETE pour nous être capable de faire un rassemblement et populaire pour nous vendre parti politique là, pour nous encourager l'intégration dans l'occasion de faire drapeau, intégration handicapée, intégration femmes, intégration jeunes. Mais aussi, nous mettre dans le contexte pour nous encourager tout bon, l'idée d'être ensemble, par exemple, pour nous encourager, ça n'a pas débat généraux sectoriel national. État généraux sectoriel national. Donc nous-mêmes comme parti politique nous joignons. Donc c'est dans Chita ensemble pour jouer une solution. Donc c'est ça qu'il faut ouais. Je dis, ce n'est pas conférence de presse. Donc nous comptons que la population y réponde présent et nous-mêmes nous continuer à faire travailler nos combats politiques. Donc présence population, je dis, c'est un signal clair, c'est que le message par sur lieu, donc il y a sur lieu et nous encourager pour tout acteur. Ils arrivent Chita, nous demandons le président de la République là, nous demandons. Premier ministre là, pour continuer à attendre la population, continuer à travailler avec eux, problèmes sociaux en pile. Et aussi nous-mêmes comme parti politique, qui a intégré, qui a continué à travailler en dans la population haïtienne. Non, nous affirmons, je dis à son test, donc parti a passé test ça, on l'autre fois encore. Et nous avons continué, nous avons aller dans notre région pays pour encourager la population, jeunes garçons, les gens qui sont handicapés, familles, intégrer le parti politique par sol. Parce que nous sommes l'unique parti politique qui prend des décisions, même dans le chat, nous côté que nous disons, garçons qui ont fait petit, qui ne pas occupé, que l'Haïti est condamné pour violence domestique, les gens qui ne respectent pas droits handicapés, donc ils ne peuvent pas occuper aucune fonction dans tête parti politique parasol. Donc nous avons continué avec l'organisation, avec tout le monde, donc nous sommes capables avec eux, donc pour partir à lui-même, est capable de continuer à faire chemin, c'est arriver au pouvoir pour être capable de résoudre, pour une solution avec différents problèmes que la population connaît. L'autre nouvelle, jeudi 17 mai, a marqué Journée mondiale télécommunication et société information pour commémorer Journée ça. Conseil national télécommunication Conatel présenté une conférence pour la presse sous thème intelligence artificielle. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. Donc dès qu'on parle d'intelligence artificielle, il faut voir trois mots essentiels. D'abord, c'est données,
apprendre et prédire. Donc, c'est des données que les artificiels analysent. Donc, à partir de ces données-là, l'ordinateur apprend et l'ordinateur fait des prédictions, des prévisions. Donc, les tâches essentielles à l'intelligence artificielle sont au nombre de quatre. D'abord, il y a l'analyse des données, que l'homme fournit, les données que l'homme produit. Il y a la catégorisation des problèmes et l'identification des tendances et finalement la génération des recommandations. Donc, ça veut dire qu'au cours de la journée, nous produisions des tonnes de données, de mégabytes, de gigabytes. Ces données ne peuvent pas être analysées par une personne ou par un groupe de personnes. Donc, il faut des machines intelligentes qui puissent faire le travail. C'est pourquoi on a pensé à l'intelligence artificielle. Donc, cette intelligence peut analyser des millions de gigabytes que nous produisons chaque jour. À la fin de l'analyse, les données, des résultats seront disponibles et les décisions peuvent être prises. Donc c'est en ce sens que l'on parle de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des applications de l'intelligence artificielle, et nous sommes tous des consommateurs d'intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Et nous avons tous fait, même une fois dans notre vie, des recherches sur, par exemple, Google. Donc, chaque fois, par exemple, que vous recherchez quelque chose sur Google, vous utilisez l'intelligence artificielle. Ce sont des logiciels assez intelligents qui recherchent des informations que vous cherchez et qui les indexent et vous les donnent sous une forme ou sous une autre. Actuellement, il y a des voitures avec des coordonnées géographiques, un système de radar qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Donc, autant d'applications. Ça veut dire quoi? Il y a des opportunités à saisir. Il y a de nouveaux métiers qui vont être créés. Il faut renforcer l'enseignement de l'informatique dans l'université. Il faut ouvrir de nouvelles filières pour les étudiants. Regardez, les étudiants frappent à la porte. Ils veulent que l'on ouvre les portes de l'administration pour les recevoir. Il y a des opportunités à saisir. Il y a des sociétés que jeunes avocats créer. Parce qu'on a besoin d'informaticiens, on a besoin des informaticiens qui ont fait des applications pratiques, commerciales, qui ont commercialisé, qui ont fait comme avec. Toutes données ça ont gaspillé, que téléphone a généré et que l'ordinateur a généré, eh bien, on a besoin de monde qui a stocké, analysé, fait des logiciels, fait des algorithmes pour y traiter et qui baille des résultats. Journée mondiale télécommunication avec Société Information 1, t'es occasion, tout pour directeur général Conseil national télécommunication 1, Jean-David Rodney, fait un bilan sous ensemble travail réalisé pendant l'inantête institution ça. Un extrait dans micro Rodney d'Orléans à Hervé Pierre. Nous avons dit que nous avons comme résultat aujourd'hui un avant-projet de texte de loi portant réforme du secteur des télécommunications qui a été soumis à l'exécutif et qui devra être présenté par devant la prochaine session législative pour adoption. Et nous avons anticipé parce que le comité que nous mettons en place pour faire mise à jour avant projet de texte de loi sur le secteur télécommunication. Hein, et nous t'es mobilisé le tout pour le travail sous ensemble de textes réglementaires d'application de projets de loi que nous avons identifié. Et non seulement nous arrivons à gagner nouveau projet de texte, mais nous avons gagné plus de 13 textes réglementaires d'application de projets de loi que nous travaillons sous lui. Et nous pensons qu'à cet égard, ce n'est pas anodin, c'est assez significatif. Nous t'es dit, l'un fait que les régulateurs a traversé, une crise identitaire. Pour qui ça? Parce que li gen un cadre juridique ou réglementaire qui fait de li un administrateur dans la question télécommunication. Hein? Et puis je dis, voilà que logique compétition que l'obligé gérer a vient faire de li un régulateur. Donc il était paraître nécessaire pour que li doté tête li deux outils et de moyens et qui en relation avec activité et régulation que le gagné pour le faire au jour le jour. Et c'est pour ça que par exemple
la structure juridique interne du CONATEL a été considérablement renforcée. Et nous avons créé d'ailleurs une unité juridique pour régler non seulement la question contentieux que qu'on appelle appelé à confronter en tout temps en tant que régulateur, mais encore pour approprier, c'est un mot que j'aime utiliser dans le contexte régulation, approprier l'ensemble des développements réglementaires qui a fait dans ces. Nous arrivons au moment pour nous prendre en pause. N'ap tourné pour reste information. Nous retournons pour suite journal là. Jeudi 17 mai, c'est journée mondiale maladie hypertension artérielle. Pour marquer date ça, Fondation haïtienne diabète et maladie cardiovasculaire organise une journée dépistage maladie dans la capitale là. D'après docteur Moïse Kedi, yon moun qui passe souffrir maladie hypertension doit consommer en pile fuit ak légumes, faire sport, pratiquer activité qui pourrait aider retirer stress, diminuer sous quantité sel nan manje yo, diminuer consommation alcool ak cigarette pour éviter maladie ça. Docteur Moïse Kedi encourage tout moun à prendre tension artérielle yo. Un extrait nan micro Falan Delphin ak Moïse Wilbridge. Mission Fadimax c'est porter c'est permettre monde qui gagne maladie cardiovasculaire et diabète pour vivre bien avec maladie ça. Tension c'est une maladie cardiovasculaire. Ça fait partie de mission nous que nous aider monde ça qui gagne maladie à vivre bien avec parce que il y a des maladies dans toute vie. Mais quand ça tout bien pile monde qui gagne maladie tension ça que pas connaître gagne. En Haïti il y a 2 millions monde qui fait maladie tension. Il y a pile là qui pas connaître cette maladie. Donc dans le cadre de la mission, nous organisons une journée de dépistage pour nous faire plus de monde qui ne connaît pas que vous avez une maladie, connaît que vous avez une maladie et pour nous aider à vivre avec la maladie. L'autre dossier, Fondation L'Orchestre Bouillon Nouvelle Haïti, ensemble avec diverses autres institutions organisées jeudi 17 mai à l'auditorium lycée Alexandre Pétion, une séance formation sur leadership et entrepreneuriat. Objectif de ça, c'est pour permettre aux participants d'apprendre comment pour yo créer et gérer une entreprise. Un extrait d'un micro, Lunel Jean-Louis avec Moïse Wilbridge. Joindre une possibilité de gagner une formation avec des missionnaires américains. Nous avons Dr. Hall et Ervin Halloway qui ensemble avec nous et avec accompagné de Ronel. Donc, je dis à là, lui-même qui a fait une formation à un ensemble de monde. Et nous disons ensemble de monde parce que nous avons là-dedans élèves dans le lycée et Alexandre Bétion. Nous avons des monde qui déjà dans l'entrepreneuriat. Comme ça, nous avons des monde qui gagne et volonté pour remettre business sur pied. Donc formation ça cap bay là lui-même c'est sur leadership et entrepreneuriat. Donc c'était un honneur pour nous recevoir missionnaire ça eux-même jodi à eux-même qui partager ça eux gagne en termes de compétences en termes d'expérience et au profit de jeunesse haïtienne. Donc c'est une journée et nous gagnons pour nous terminer à partir de 4 heures. Donc nous gagnons en premier et un premier thème qui déjà débat et nous allons entrer dans un deuxième thème pour nous capables de mettre fin dans la journée. Comptez influencer génération ça avec des idées positives. C'est pas seulement toute journée n'a parlé de politique. C'est vrai que gain leader yo même qui supposé poser pion yo pour permettre que moun a gagne aller mieux dans pays a, mais nous même tout comme citoyen chaque fois nous ka poser une pierre dans sens positif thème non. Donc nous même nous supposé faire et gagne pral gagne accompagnement avec moun sa yo ka recevoir formation yo yo même qui gagne entreprise que yo mette sous pied yo capable un coaching par rapport à intervenant eux même qui gratifier nous des formations ça inspiration pour Dieu qui les permet de penser à sujet ça leadership entrepreneurship et moi j'ai une vision pour que me présenter sujet ça à jeunes adultes balance là chita sur information et relation que n'a partagé côté que une avec nous on va connecter ensemble et à partir de ça ça va permettre que nous activer et sens de créativité nous
comme leader entrepreneur là, nous devons planifier des suivis. Mais ce qui est important, c'est que nous avons développé des choses à partir de ça que nous voyons, nous tendons, nous allons travailler sur nous et pour que nous fassions aller dans le sens du groupe ça, parce que ça n'a fait à nous parler à le fond de la côté que le général, mais là avec le sens groupe ça. Ministère Affaires Sociales, ensemble avec Ministère Intérieur, Collectivité Territoriale et puis Délégation Départementale Ouest, relancé mercredi 17 mai, programme COREPEP. Programme ça rentré dans quatre projets administration Moïse Lafontaine qui visait poter assistance by Moun qui a vu dans situation économique difficile. Contre-rendu Luné Jean-Louis avec Evan Joseph. Il y a des plusieurs dizaines de responsables restaurants communautaires qui étaient présents dans la délégation départementale à l'Ouest pour recevoir provisions alimentaires, tant que du riz, pois, l'huile et l'autre ingrédient qui permettent aux restaurants communautaires de fonctionner. Le ministre des Affaires sociales, Stéphanie Auguste, expliquait qu'il y a 100 restaurants communautaires qui l'ouvrent dans le département de l'Ouest sur 775 qui ont gagné pour fonctionner dans tout le pays. Pendant, le ministre a demandé pour tout secteur pour te coller dans l'avancement du programme. Ça. Vous connaissez que le restaurant communautaire, c'est une sorte d'assistance que nous portons à la population dans différentes zones. Et Jean-Président Jovenel Moïse Mandela, c'est à travers tous 10 départements pour nous ouvrir au total 775 restaurants communautaires. Nous relancer li parce que c'est une nécessité, c'est une urgence liée, mais d'arrêt mais clair pour nous connaître que mode de fonctionnement qui était gagné avant, c'est un bagage qui vient faire que budget a trop lourd pour gouvernement. Ça veut dire restaurant yo actuellement nous chita avec prestataire yo pour connaître modalité de fonctionnement pour les cas alléger charge que gouvernement gagne pour porter comme assistance, c'est en participation communautaire. Jean-Baptiste Dilan son restaurant communautaire, ça veut dire communauté en côté restaurant rien, faut que porter apport par yo, faut que porter participation par yo, faut que porter encouragement par yo tout qui pour à la longue ça nous ta remet faire modèle que nous ta remet que restaurant vini à la fin pour les vin autosuffisance. Directeur général fonds assistance économique et sociale là, Chartelier Charles Ernest promettre les pral mettre direction régionale institution ça opérationnel yon manière pour permettre supervision régulière faite dans restaurant communautaire yo pour évaluer qualité et condition moun yo ap manger. Chaque restaurant yo y a gagné yon pancarte devant yon identifié avec un logo, donc pas gen moun k'ap ka di ou pa restaurant. Et puis nous l'autre bagage qui plus important, nous pral faire tout, nous pral faire suivi et évaluation restaurant yo, parce que suivi a c'est yon. Mais évaluer les restaurants qui s'alpotent en plus dans la zone, c'est l'autre bagage. C'est une raison qui fait que les travailleurs sociaux qui sont dans le ministère des Affaires sociales, ils vont à pied d'œuvre. Dans le niveau FAES, nous avons des directions qui sont là pour ça. Nous allons mettre des directions à pied d'œuvre pour être capable de faire analyse, pour être capable de voir qui impact les restaurants sur la vie population. Bon, côté PAL, ministre intérieur, collectivité territoriale, Jean-Marie Ronaldo Brunet, quoi est important pour les magistrats? Kazek et Kazek ont collaboré avec les délégués pour faciliter les services sociaux et arriver plus près de la population. Dans ce cas-là, bien spécifique, côté n'a pas eu de restaurant communautaire, tout le monde qui fait partie de la chaîne, côté que un paquet de monde qui a besoin, vraiment qui a nécessité, qui est-ce qui connaît la réalité, ça, n'a pas parlé de délégué yo, vice-délégué yo, magistrat yo, kazek yo, azek yo. Donc dans ce sens, nous-mêmes avons fait une meilleure coordination entre équipe ça pour voir si effectivement côté restaurant placé, côté restaurant yé, si c'est là le mérité pour lié. De façon à ce que les gens qui ont nécessité yo vraiment bénéficier de restaurant. Programme ça a rentré dans quatre visions administration Moïse à gouvernement Lafontaine gagné pour améliorer conditions la vie population. Ministère Commerce et Industrie, à travers projet développement a fait avec investissement réalisé pendant 3 jours dans le département Centre avec la Tibonie qui ont test pour déterminer modèle exportation fruits. Et ces experts qui sont dans l'université Wageningen, pays Hollande, qui a réalisé test ça. Esaïe Aurelius avec l'Aurore d'Arly Jean-Jacques, reportage. Test ça vise à joindre un modèle pour exploiter fruits frais et puis établir un système logistique sorti depuis dans le pays, arrivé dans la consommation.
Pour réaliser test ça, plusieurs caisses mango à Zabouka pour aller dans pays États-Unis, Canada à Hollande pour évaluer qualité chaîne de foie et puis développer yon marché entre Haïti et pays sa yo. À travers des massa, gouvernement haïtien voulait encourager activité économique yo à travers secteur agricole là d'après coordonnateur projet ya Michel-Ange Mental. Ça n'a fait là le plus un exercice soulevé académique dans la mesure où nous sous papier nous pensons un système pour tout fruit frais honnête comment pour nous collecter fruit frais pour nous aller jusqu'à marché extérieur on fait li pour le marché pour n'importe qui quantité mais là n'a pas ni prend 2-3 douzaines d'un fruit et puis nous garder pour nous mettre l'enchaînement pour nous est-ce que li capable à le vendre à l'étranger sous marché nord-américain ou bien européen dans des conditions optimales. C'est un groupe technicien qui sorti dans l'université Wageningen pays Hollande qui a réalisé test là. Après résultat yo, yon appel d'offres a lancé pour joindre institution qui gain expertise pour avancer à démarche là. Son programme qui visait pour planteurs qui dans zone gros monde qui dans mango à l'autre fruit qui dans l'autre côté dans pays a capable joindre bénéfice l'encourage yo mete pour yo planter mango pour yo faire grandir pour yo prendre soin pour yo rouser tout ça donc l'a fait que yo même yo joindre bénéfice l'argent pour yo capable faire tout ça yo besoin faire que ce soit éducation timoun yo que ce soit construire kay que ce soit faire ti voyage loisir yo besoin faire avec l'autre bagaille yo besoin pour personnel yo avec manger chaque jour. Quelques producteurs saluent l'initiative ça qui soutient un projet développement affaires et investissement PDAI. Y aurait quoi démarche ça pour aider à rentrer plus l'argent pendant au plein pour question transport. Plus gros difficulté nous rencontrer dans voyer mango parti, c'est parfois les voyer mango là on connaissait en quantité qui bon et ben par rapport des problèmes en route nous gain qu'on est là mango yo yo kon fait ti fotman nan men on arrivé c'est là ou venan usine nan et puis après ça yo kon a venu dou mon quantité rejet ou kon joine rejet ça là ou venan usine nan nous kon pa ka vendre yo nous kon pa gen prix pour nous vendre yo. Projet développement affaires avec investissement joine financement Banque mondiale pour un valeur 20 millions de dollars américains. C'est ministère commerce et industrie qui a exécuté et puis gen la dan volet en cours formation et assistance technique. Des anciens candidats pour poste président parti Fusion démocrate Pedrika Saint-Jean et Bateau Junior dénoncé jeudi 17 mai à Mezi actuel dirigeant parti Sapran pour empêcher yo organiser réunion politique en dans local Patia. Pedrika Saint-Jean avec Bateau Junior qui dit yo pas reconnaître nouveau dirigeant sa yo continuer réclamer organisation yon l'autre congrès pour élire yon l'autre comité directoire dans tête Patia. Yo te namiko Sainte-Croix Paki avec Moïse Wilbridge. Depuis plus de 3 mois, nous dit en nous chita ensemble en dans fusion pour nous joindre entente de quoi pour partir en capable écarter de cri ça et bien qui ça yo fait yo exclu nous yo fait yo mascarade dans week-end 20 avril là et depuis après tout yo fermé barrière m'ko ka vin là OK ou que c'est dehors que nous avons une conférence de presse parce que Rosemont Bradel et Edmond Bozil OK yo fermé barrière et yo passé gérant droit pour yo pas quitter militant rentrer surtout nous-mêmes qui contester mascarade qui ont été fait dans palais de l'or là nous dehors on barrière mais nous pas dehors fusion parce que fusion c'est pas Kayla. Fusion, c'est ensemble de membres, ensemble de délégués qui éparpillés à travers le pays et à travers les 14 régions dont Fusion les représente. Donc cela veut dire que nous, pour le moment, nous ne sommes pas rentrer dans Kayla parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire force pour nous craser barrière pour entrer. Mais cependant, nous pensons que dans les jours à venir, la justice a bien pour le trancher et laisse la justice à bas nous raison. N'a utilisé local là comme ça doit parce que local là c'est pour papa et pas pour madame et bon supposé c'est pas pour Osmond Bradel nous tout qui là nous contribuons dans local là et gon paquet monde dans société là qui contribue dans local ça c'est pas local madame et bon supposé c'est pas local Osmond Bradel donc jodi à là yo accaparel c'est même jambe te kadou ou papa qui mouri qui gon bien et puis gon petite qui décide accaparer bien et bien c'est la justice qui va le trancher c'est dans cas ça nouyé nous va l'observer on l'autre pause dans le journal l'arrêté branché n'a pas tourné.
Actualité après poursuivre, nous allons faire coup de pied l'autre bord de l'eau, sommet Balkan yo l'ouvre dans Sofia, dans le pays Bulgarie, jeudi 17 mai. Dans le cadre sommet ça, 27 pays membres ignorants, sauf Espagne, qui pas présent, promettent y apprêter non accord 2015 sous mission. Dans l'occasion, Conseil national télécommunication Conatel présenté une conférence sous thème intelligence artificielle. Actualité à Pilon Lakay, 27 pays membres Union européenne y réunit jeudi à dans le pays Bulgarie pour discuter sous accord 2015 qui pourrait avec nucléaire iranien. C'est là nous mettons en bout dans le journal là. Merci pour fidélité et attention. Restez suivre reste programmation. Je souhaite tout le monde passer une bonne nuit sous télévision pour la télévision nationale d'Haïti.